commencer, on traverse déjà la citadelle Vauban. Tout de suite pour garder un soleil comme ça parce que là c'était inattendu ça ce matin. Oh putain, oh, je me suis trop bien tapé, je me suis trop tapé la fesse par terre quoi. Oh purée. Oh, comment j'ai glissé. Il faut faire gaffe, on met les pieds. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'on est parti quoi. Même pas. J'étais en train de filmer là. Bon allez, c'est pas grave. On traverse les dunes, on a décidé de couper, de quitter complètement le GR pour essayer de raccourcir pour aller récupérer le logement où on dort ce soir, qui est complètement hors du GR, dans un village au milieu d'île, à Bangor. Je sais même pas si on va trouver une route derrière. Bon, je sais pas où on est. Il y a une route, sur la route là-bas. Ici. Ce matin, on quitte notre confortable petit gîte où on a passé la nuit à Bangor. On a été obligé de faire un petit décrochage de 5 km. Maintenant, il va falloir qu'on retourne sur la côte et refaire 5 km dans l'autre sens. Sauf si on trouve un gentil autostoppeur. Non, une gentille voiture, c'est nous les autostoppeurs. Ah oui. On ne s'attendait pas à commencer la journée comme ça. On remonte sur la lande. Et je pense que là-haut, le vent, ça va être compliqué. Ah,
les autres jours, aujourd'hui ça se mérite. Quatrième jour de marche, c'est la plus grosse étape aujourd'hui, on devra avoir du beau temps.